Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour LudiWorld.com. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit jeu de chez Yello dans la collection des mini-jeux en boîte blanche, très compact, super légère, et ça s'appelle Héros à louer. Donc c'est un petit jeu de Kuro illustré par Biboun. Les illustrations sont super sympas. C'est un jeu avec des aventuriers dans un univers un petit peu médiéval fantastique. Alors c'est pas mon univers de prédilection à la base. Mais c'est très cartoon et très coloré, donc voilà, c'est moins sanglant, on va dire, et du coup, ça me plaît. Je vais vous faire voir la boîte, et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, je vais vous expliquer les règles du jeu, etc. Hop, on va mettre ça à l'endroit. Donc c'est un petit jeu très rapide à jouer, hein. Ça joue en moins de 30 minutes, c'est assez simple. Malgré tout, il y a vraiment des petites subtilités à faire, il y a un petit peu de bluff. J'ai fait 4-5 parties. Et je suis vraiment bien convaincu par ce jeu-là, donc je voulais vraiment vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc je vais m'éloigner un petit peu de la boîte. Donc je ne sais pas si vous allez voir, voilà, vous voyez les petits reflets sur les impressions. Je trouve ça super beau. Donc c'est un jeu de chez AEG à la base, traduit et distribué par Yello. Donc voilà un petit peu la boîte, l'arrière, hop. Difficulté 2 étoiles sur 4. Bon, 2 étoiles de difficulté, c'est même assez gentillet parce que c'est vraiment très très simple, moi je trouve. Donc on ouvre la boîte. À l'intérieur, vous avez une règle du jeu. Je vais vous faire voir. Donc une règle du jeu assez simple. Au début, j'étais un petit peu effrayé en voyant autant de pages de règles par rapport à un simple petit jeu de cartes. C'est vrai qu'il y a en tout, c'est 12 pages avec les variantes à la fin. Mais la règle est très très bien faite. Tout est vraiment très bien détaillé. Il vous explique les petites subtilités et tout. Et voilà, ça se lit en 5 minutes. Vous avez lu la règle, hein. C'est très 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 rapide. Alors, que je vous explique un petit peu le jeu. Je vais poser la caméra sur le côté. Je vais sortir les cartes de la boîte. Hop. Donc le but du jeu, ça va être de se composer une équipe de héros. Alors les héros, c'est quoi? Ce sont des personnages avec une illustration, un titre, un pouvoir, une valeur et une restriction. Alors dit comme ça, c'est un peu compliqué. Je vais vous sortir tous les héros différents. Il n'y a que 7 cartes différentes dans le jeu. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Il y a 7 héros différents. Je vais vous les faire voir sur la petite caméra. Donc vous avez la poule enragée qui porte le numéro 1. Le pyromane numéro 2. La sorcière numéro 3. 4 maître chien. 5 sergent. 6 chevalier noir. 7 magicien. Donc vous avez vu, les illustrations sont assez sympathiques. Vous avez les 7 héros différents et le but du jeu, c'est d'avoir 6 héros différents pour gagner la partie. Le premier joueur qui obtient 6 héros gagne la partie. Donc ça se joue entre 3 et 5 joueurs. Au début du jeu, on va distribuer 2 héros différents à chacun des joueurs présents autour de la table. Puis on va distribuer 5 cartes à chaque joueur. Les cartes restent face cachée dans la main du joueur. On va ensuite prendre les cartes de la pioche, voilà. Hop, on va retourner une carte et on va utiliser la condition de la carte qu'on vient juste de révéler, à savoir ici sur cet exemple 3 ou moins. C'est-à-dire que la carte m'impose de jouer une carte de ma main qui a une valeur de 3 ou moins. Donc les valeurs, c'est quoi? C'est tout simplement ce que je vous avais montré tout à l'heure, les valeurs des héros. Je vais choisir une carte de ma main que je vais mettre face cachée sur la table, qui correspond à la restriction de la carte révélée, donc là, 3 ou moins. Je vais la faire passer au joueur à ma gauche. Le joueur à ma gauche a plusieurs possibilités, et comme la carte est face cachée, c'est là où le jeu va devenir intéressant. La première possibilité de ce joueur, c'est d'accepter la carte, sans rien demander, il la prend, il la met devant lui. Par contre, si la carte est déjà présente dans sa rangée de héros, je ne sais pas si la carte est un 1, la poule enragée, et que le joueur avait déjà une poule enragée, il y a un doublon, et les doublons s'annulent dans ce jeu-là. C'est-à-dire que les deux cartes héros
sont défaussés, sont mis à la poubelle. On ne peut pas avoir deux fois le même héros devant soi. C'est-à-dire que pour gagner la partie, il faut 6 héros vraiment différents. Donc le premier choix du joueur était celui-ci. Il récupère le héros. S'il l'a déjà, il est défaussé. S'il ne l'a pas, il le met devant lui. Le deuxième choix possible, c'est de laisser passer la carte au joueur encore après sur la gauche. À ce moment-là, le joueur a passé son tour, il ne l'a pas récupéré. Si tous les joueurs refusent la carte qui est en train d'être passée, la carte revient au joueur d'origine qui avait fait passer la carte et ce joueur-là est obligé de l'accepter. Quand le héros est face cachée en train d'être passé de joueur en joueur, on appelle ça le héros vagabond. Vous allez voir un petit peu l'importance de ce terme-là, on va dire. Et la troisième possibilité d'un joueur est de demander des indices. Alors, demander des indices, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que les joueurs avaient des cartes dans la main. On peut défausser une carte de la main, la montrer au joueur qui est en train de nous faire passer la carte en lui demandant si c'est cette carte-là. Et le joueur est obligé de répondre par oui ou par non. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple de la poule enragée qui nous oblige à jouer une carte de valeur 3 ou moins, si je défausse une carte de ma main, le 2, en demandant au joueur si c'est celle-ci, que le joueur me dit non, je saurai obligatoirement que la carte qui est en train d'être passée face cachée est soit un 1, soit un 3. Donc voilà, ça permet d'avoir des petites indications comme ça. Et on peut demander plusieurs fois un indice. On peut jeter plusieurs cartes pour avoir plusieurs indices. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations pour savoir si oui ou non on va accepter la carte. Parce que je le rappelle, la carte est face cachée. Et si on l'accepte et que c'est un doublon, on perd toutes les copies de cette carte-là. Donc c'est pas intéressant. Et le troisième point, enfin le quatrième point du jeu, ce sont les pouvoirs des personnages. Alors c'est là où ça va devenir beaucoup plus intéressant. C'est que chaque héros va avoir des pouvoirs indiqués dans son cartouche de texte. Pour utiliser un pouvoir, on va incliner un héros. Le pouvoir n'est utilisable qu'une seule fois par partie. Donc quand on a incliné le héros, on sait qu'on a utilisé le pouvoir et on sait qu'on ne pourra plus l'utiliser. Donc les pouvoirs sont divers et variés, je vais vous faire voir. Défausser le héros vagabond. On va jeter le héros qui est face cachée en train d'être passé de joueur en joueur. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas trop la carte, si vous avez vraiment de trop gros doutes, vous pouvez la défausser pour éviter de vous la prendre. La sorcière permet de redresser un héros. C'est-à-dire que vous aviez utilisé un héros, vous ne pouviez plus normalement l'utiliser. Vous allez le redresser pour l'utiliser à nouveau, donc ça c'est plutôt sympa. Le maître chien empêche un joueur de recruter. Vous dites non, tu ne prendras pas cette carte-là. On n'a pas le droit de le faire sur soi-même, par contre, le maître chien. Le sergent permet de regarder le héros vagabond. Là, c'est pareil, si vous aviez trop de doutes sur la carte, vous la regardez tout simplement. Ça vous permet de savoir si vous l'acceptez ou si vous la refusez. Le chevalier noir permet d'ignorer la condition de départ. Alors, je le rappelle, pour jouer une carte, on regarde la condition, et c'est la condition qui nous indique quelle valeur de carte on doit jouer. Par exemple, celle-ci, on regarde le nombre de joueurs autour de la table, et on choisit une valeur inférieure ou égale à cette valeur. Si vous êtes 3 à jouer, ça sera 3 ou moins. Et le chevalier noir permet d'annuler la condition de départ. Le magicien, tout simplement, permet de piocher 2 cartes. Et je reviens au tout début, hop, la poule enragée permet d'annuler un pouvoir. Ça permet d'annuler n'importe quel pouvoir de héros. La poule enragée, c'est vraiment très très fort. Et une poule enragée peut annuler une autre poule enragée. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. La partie se termine donc dès qu'un joueur a posé un sixième héros différent sur sa table de jeu. Ou alors, si la pioche de cartes est complètement épuisée, on regarde celui qui a le plus grand nombre de héros. Donc c'est un jeu qui est très très simple, qui a des bonnes sensations de jeu. Vous allez voir en jouant que le fait d'avoir une carte face cachée, ça induit toujours du bluff, qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas très fort au bluff, au poker ou ce genre de jeu. Et c'est là où ça devient drôle, parce que on a toujours un petit doute, est-ce que je prends la carte ou pas. Après voilà, le but du jeu, ça va être de récupérer des indices pour essayer d'optimiser la prise de risque.
Donc c'est très simple, c'est vraiment un bon petit coup de cœur. Ça vaut 12,95 € de mémoire. Donc c'est vraiment pas très cher, ça se joue entre 3 à 5 joueurs. C'est un petit jeu d'apéro vraiment bien sympathique. Et ben voilà, c'était la petite vidéo de présentation de Hero à louer de chez Yellow. C'est disponible tout de suite maintenant sur la boutique. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, à vous abonner à la chaîne, à la page Facebook, afin de nous suivre pour les prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut!